Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos. L'Union européenne a approuvé lundi l'allocation de 2 milliards d'euros pour acheter et livrer des munitions à l'Ukraine, y compris par le biais d'achats communs. Les ministres des Affaires étrangères de l'Union européenne ont approuvé un plan en 3 phases visant à fournir à l'Ukraine au moins 1 million d'obus de 155 mm et à reconstituer les stocks des pays membres. Und man muss es deutlich sagen, das ist Neuland, das hat es in der Form noch nicht gegeben. Wir beschreiten hier einen neuen Weg bei der kooperativen Beschaffung in Europa. Wir bündeln damit Europas Marktmacht, das ist wichtig und wir wollen aber, und das ist ebenso wichtig wie die Marktmacht, wir wollen auch und müssen auch schnell handeln. La question est de savoir si c'est l'Agence européenne de défense ou les États membres qui négocieront les commandes. 15 États membres se sont engagés à passer par l'Agence européenne de défense, tandis que l'Allemagne a déclaré qu'elle ouvrirait ses marchés à d'autres États membres. Le ministre estonien de la Défense a été clair, dans 12 mois, tout doit être terminé d'une manière ou d'une autre. We prefer to get it from the European industry, but Estonia has been always very open to that question. We have ordered ourselves also from the third countries, and we see clearly that if there is a need for a quick delivery, then all the options have to be on the table, all the options have to be open in order to help Ukraine. Les dirigeants de l'Union européenne discuteront aussi de la question plus tard dans la semaine, lors du sommet de Bruxelles. Des chars ukrainiens dans la région de Donetsk se dirigent vers Bakhmout. Selon Kiev, la bataille pour cette ville est essentielle pour contenir les forces russes sur l'ensemble du front oriental. C'est pourquoi l'Ukraine et la Russie ont investi massivement leurs forces ici. Alors que les pénuries de munitions sont un problème clé, Kiev a accueilli chaleureusement la nouvelle d'un plan d'approvisionnement par ses alliés européens. Наші європейські партнери погодили спільний план, щоб прискорити постачання снарядів для нашої артилерії. Вага цього рішення 2 мільярди євро. Передбачено як невідкладне постачання, так і виробництво боєприпасів. Це стратегічний крок. Те, що додає впевненості в нашій єдності, в незмінності руху до перемоги над державою-терористом. Les États-Unis semblent également avoir répondu à l'appel pour plus de munitions sous la forme d'un nouveau paquet de défense d'une valeur de 350 millions de dollars. Il comprend une grande quantité de divers types de munitions, notamment pour les lance-roquettes HIMAR. La livraison, qui doit aussi inclure des véhicules blindés légers, provient de fonds déjà alloués par le Congrès américain. Après un an de guerre, il ne reste plus grand-chose de la ville. À Liman, dans la région du Donbass, 90% des habitations ont été détruites. Même si la ligne de front est plus à l'est, les obus ne cessent de tomber sur la ville. Natalia est l'une des rares habitantes dont la maison est restée intacte. Jusqu'à présent, nous avons eu de la chance. Dans notre appartement, seules les fenêtres ont été soufflées. Les destructions sont minimes, il est donc possible de vivre ici. Nous essayons de restaurer et de continuer à vivre. Yuri, qui vit de l'autre côté de la rue, n'a pas eu cette chance. Il y a 3 semaines, un obus est tombé dans sa cour. Les dégâts, importants, le préoccupent. On nous a promis qu'après la guerre, tout serait restauré. Mais quand sera-t-elle terminée et quand tout sera-t-il rétabli? Je n'en sais rien. À 2 reprises, Liman a été le théâtre de violents combats. Au début de la guerre, lorsque la ville a été envahie par l'armée russe, et à l'automne, lors de sa libération par l'armée ukrainienne. Avec des combats qui continuent de faire rage dans la région du Donbass, les habitants ont peu de raisons d'être optimistes. Avant même qu'il atterrisse à Moscou, la télévision chinoise diffusait fièrement ces images d'une capitale russe prête à recevoir son président en grande pompe. Puis, ce sont les médias d'État de la Russie qui ont pris la relève et même les éloges dès l'arrivée de Xi Jinping sur le tarmac. Le tout pour donner le ton à ce qui sera une visite officielle de 3 jours à Moscou, la toute première du président chinois depuis que son ami Vladimir Poutine a envahi l'Ukraine. Un voyage des plus stratégiques que Pékin décrit de son côté comme une mission de paix, d'abord et avant tout. Mais dès les toutes premières minutes de leur tête-à-tête,
les allégeances étaient claires. Vous serez toujours un ami précieux, a déclaré Xi Jinping. Poutine a beau être accusé de crimes de guerre par le Tribunal pénal international, il n'est pas si seul et isolé qu'on le croit. C'est une confirmation de l'amitié, de l'appui entier de la Chine envers la Russie, puis c'est pour aider la Russie à trouver une porte de sortie. En fait, c'est dans l'intérêt de la Chine que la Russie ne perde pas cette guerre-là. Selon l'ex-ambassadeur du Canada en Chine, il faut bien se méfier des intentions de Pékin, qui essaie de jouer les médiateurs avec un plan de paix en 12 points, qui propose, entre autres, un cessez-le-feu en Ukraine, sans conditions claires. Un plan de paix déjà rejeté par l'Ukraine. Mais que Vladimir Poutine dit avoir étudié et dit vouloir discuter de vive voix avec son homologue chinois cette semaine. Une visite que Washington surveille de loin avec méfiance. Bien que nous accueillions toute initiative qui met de l'avant une paix durable, a dit le secrétaire d'État américain, le monde ne doit pas être fouillé par une mouvement tactique de Russie, soutenu par la Chine ou un autre pays. To freeze the war on its own terms. La visite surprise de Vladimir Poutine hier à Mariupol en dit long, d'ailleurs, à ce chapitre. Des images diffusées par les médias russes le montrent faire la tournée de la ville que son armée occupe depuis déjà un an, mais qu'il considère désormais partie intégrale de la Russie. C'était ça, de démontrer avant l'arrivée de Xi Jinping, on occupe le territoire, c'est à nous autres. Puis, sur le plan idéologique, il ne faut pas oublier que ces deux pays qui sont complètement alignés, là, des pays autoritaires qui disent que les États-Unis sont la principale menace. Mais jusqu'où ira la Chine pour garantir une victoire de la Russie demeure la question principale de ce grand voyage. Je ne serais pas surpris, c'est que la Chine utilise des intermédiaires comme l'Iran, la Corée du Nord ou la Biélorussie pour envoyer des armes et aider l'ami Poutine. Xi Jinping est à Moscou jusqu'à mercredi. Ici Tamara Alteresco, Radio-Canada, Montréal. Une poignée de main, symbole d'une guerre qui n'en finit pas. Le président chinois Xi Jinping est arrivé ce lundi en Russie pour une visite d'État de 3 jours à l'invitation de son homologue russe. Après s'être félicité respectivement pour la gestion de leur pays, les deux présidents ont rappelé le lien profond qui les unit. Ils se sont ensuite entretenus sur leurs diverses relations stratégiques. D'abord, les deux dirigeants ont annoncé profiter de cette visite pour élaborer un nouveau projet de coordination bilatérale présenté ce mardi. La réorientation de l'économie russe doit faire face aux sanctions occidentales imposées depuis l'invasion de l'Ukraine. Sur ce point, Vladimir Poutine a déclaré que la Russie se réjouissait que la Chine joue un rôle constructif dans la guerre. Xi Jinping a en effet présenté un plan de paix pour l'Ukraine préconisant un règlement politique de la crise pour éviter une nouvelle guerre froide. Washington a de son côté dénoncé une visite malvenue après le mandat d'arrêt lancé par la Cour pénale internationale contre Vladimir Poutine. Au lieu de condamner les atrocités commises en Ukraine, la Chine préfère fournir une couverture diplomatique à la Russie pour continuer à commettre ces mêmes crimes. Anthony Blinken a ajouté que le monde devait se méfier d'une stratégie russe visant à geler la guerre pour reposer et rééquiper ses troupes avant un moment plus propice. En parallèle de la rencontre sino-russe, le premier ministre japonais Fumio Kishida se rend dans la capitale ukrainienne ce mardi pour une visite surprise au président Volodymyr Zelensky. Kiev va d'ailleurs recevoir d'ici les prochains jours une nouvelle aide militaire américaine de 350 millions de dollars. L'Union européenne a quant à elle débloqué 2 milliards d'euros et s'est engagée à reconstituer les forces ukrainiennes. У нас очень много совместных задач, целей. Знаю, что вы лично, все наши китайские друзья уделяют развитию российско-китайских отношений большое внимание. Обсудим, безусловно, все эти вопросы, в том числе и ваши инициативы, к которым мы относимся, безусловно, с уважением. Мы всегда открыты для переговорного процесса. C'est la première visite de Xi Jinping depuis sa reconduction pour un troisième mandat inédit à la tête de la Chine. Devant les caméras, Moscou et Pékin affichent leur volonté commune de lutter contre l'influence américaine. Au deuxième jour de sa visite d'État en Russie, le président chinois Xi Jinping a rencontré ce mardi le premier ministre russe Mikhail Mishustin. Ce déplacement survient à un moment crucial pour les deux puissances. C'est la première visite de Xi Jinping depuis sa reconduction pour un troisième mandat, mais aussi la première d'un dirigeant étranger depuis que la Cour pénale internationale a émis un mandat d'arrêt contre Vladimir Poutine.
Важно, что свой первый зарубежный визит после переизбрания вы совершаете в нашу страну. Это свидетельствует об особом характере российско-китайских отношений, вступающих в новую эпоху. Xi Jinping, qui doit s'entretenir mardi avec Vladimir Poutine après un premier entretien lundi, a également confié qu'il avait invité le président russe à lui rendre visite en Chine cette année. Après l'entretien informel de lundi, c'est le conflit en Ukraine qui sera au cœur des discussions entre les deux dirigeants. Pékin veut assurer un rôle d'intermédiaire entre Moscou et Kiev. Il s'agit du renforcement des économies de la Russie et de la Chine. Notre coopération a toujours été mutuellement bénéfique. Il est nécessaire de travailler sur des projets qui soient bénéfiques à la fois pour les Chinois et les Russes. Les Chinois ne sont pas des partenaires faciles, c'est pourquoi nous abordons toujours avec prudence le développement des relations commerciales, d'entreprises communes et d'investissements à cet égard. Mais de l'autre côté, les Chinois sont des partenaires fiables avec lesquels nous travaillons depuis des décennies. Naturellement, nous espérons pouvoir poursuivre le développement. Le développement de l'économie mondiale en dépendra. Le commerce mondial dépendra de l'évolution de nos relations avec la République populaire de Chine. Le développement de l'économie mondiale, qu'il s'agisse de développement, de stagnation ou de crise, dépendra de l'évolution de la Chine et de la Russie. Ce pont reliant la Chine et la Russie a été conçu pour contribuer à renforcer les échanges commerciaux entre les deux pays. Il s'agit du premier pont autoroutier reliant la Chine et la Russie. Il s'étend de la ville frontalière de Heihe, dans le nord-est de la Chine, à la ville russe de Blagoveshchensk. Le pont qui enjambe le fleuve Heilongjiang a été ouvert à la circulation l'année dernière et a considérablement stimulé la connectivité entre les deux pays. Auparavant, la plupart des marchandises échangées entre la Chine et la Russie à Heihe étaient transportées par voie d'eau. Mais chaque année, lorsque le fleuve Heilongjiang, un passage commercial clé, gèle, le transport s'arrête pendant plusieurs mois. Le nouveau pont garantit le transport des marchandises tout au long de l'année. Au 15 mars 2950 véhicules entrants, 7909 véhicules sortants et 4600 machines automotrices ont emprunté le pont du Heilongjiang. Song Yinan dirige une entreprise d'exportation de véhicules à Heihe et à Blagoveshchensk. Elle nous explique que les camions et les tracteurs fabriqués en Chine font partie des véhicules les plus demandés par les clients russes. Depuis l'année dernière, la Russie a ajusté ses politiques d'importation, ce qui offre de grandes opportunités aux produits chinois. Et le volume des échanges de notre société avec la Russie a fortement augmenté. L'entreprise a enregistré 300 millions de yuans d'échanges avec des clients russes en 2022. La directrice générale prévoit d'atteindre le même montant en seulement 6 mois cette année, notamment en raison de la facilité de passage au poste de contrôle douanier. En tant que chauffeur de camion, je me rends souvent à Heihe. Je pense que c'est très rapide et pratique de passer la douane ici. Les points de contrôle électroniques surveillent les véhicules et vérifient les déclarations douanières. Les véhicules peuvent passer le point de contrôle immédiatement. Les échanges commerciaux entre la Chine et la Russie ont dépassé les 190 milliards de dollars en 2022. Et la reprise des missions économiques et commerciales entre les deux pays devrait voir une nouvelle croissance dans l'année à venir. China Media Group a lancé une édition en russe de la deuxième saison de sa série de vidéos intitulée Classique, citée par Xi. Cette série sera diffusée par la compagnie d'État de télévision et de radio pan-russe. Elle reprend des citations d'histoire antique et des classiques chinois utilisés par le président Xi Jinping dans ses discours et articles. Cette œuvre a été traduite dans de nombreuses langues et montre amplement la profonde compréhension par le président Xi de la culture traditionnelle chinoise. Le président chinois a longuement rencontré son homologue russe Vladimir Poutine. Le conflit ukrainien, évidemment, au cœur des discussions, la Chine a présenté son plan de paix, bataillé sur mesure pour plaire au Kremlin, qui y voit une position équilibrée. Retour sur ses échanges avec le correspondant d'Europe 1 à Pékin, Sébastien Lebelzik. L'essentiel de la discussion qui a duré 4h30 n'est pas sorti des murs du Kremlin. Mais les deux hommes semblent d'accord à peu près sur tout. La guerre en Ukraine, c'est la faute de l'OTAN. Le mandat d'arrêt pour crime de guerre lancé par la Cour pénale internationale contre Poutine est téléguidé, selon eux, par les Américains. Xi Jinping, qui se pose désormais en homme de paix, a présenté son plan pour mettre un terme au conflit à un président russe qui a dit le considérer avec respect. Les deux hommes qui se retrouvaient pour la 40e fois en 10 ans font front commun. Écoutez Xi Jinping, le président chinois. Nous sommes partenaires dans une coopération stratégique globale. C'est ce statut qui détermine qu'il doit y avoir des relations étroites entre nos pays.
Plusieurs accords de coopération vont être signés aujourd'hui. Le président chinois vient en effet avec son carnet de chèques. Car dans l'ombre de la guerre en Ukraine, il y a aussi les échanges commerciaux qui ont explosé entre la Chine et la Russie. Malgré les sanctions internationales, le commerce bilatéral a atteint l'an passé 190 milliards de dollars, un record. Pékin, Sébastien Lebelzik, Europe 1. Et autre rencontre à venir aujourd'hui à Kiev. Cette fois, on a appris ce matin la visite surprise en Ukraine du premier ministre japonais Fumio Kishida. Il sera reçu par Volodymyr Zelensky. La dernière fois qu'il avait appelé ses soutiens à la mobilisation, c'était le 6 janvier 2021. Ce qui a conduit à l'invasion du Capitole. Et ce samedi, Donald Trump a renouvelé son appel à manifester sur son réseau Truth Social. Comme il en est coutumier, c'est en lettres majuscules et à la troisième personne qu'il s'est exprimé. Il est temps, nous sommes une nation en plein déclin. Nous ne pouvons plus tolérer cela. Ils sont en train de tuer notre nation pendant que nous restons les bras croisés. Et d'ajouter, nous devons sauver l'Amérique. Le candidat du Parti républicain à la primaire pour la présidentielle de 2024 et ancien président des États-Unis d'Amérique va être arrêté mardi de la semaine prochaine. Manifestez, manifestez, manifestez. Donald Trump assure donc qu'il va être arrêté ce mardi. Il est accusé d'avoir payé le silence de Stormy Daniels, Stephanie Clifford de son vrai nom, une actrice pornographique. Elle affirmait en 2018 avoir eu une relation sexuelle avec le milliardaire il y a une douzaine d'années. L'ancien président américain a toujours démenti toute liaison avec cette femme. Selon la justice, Stormy Daniels aurait perçu 130 000 dollars, l'équivalent de 122 000 euros, pour ne pas porter préjudice au candidat lors de la présidentielle de 2016. Pour l'ancienne procureure adjointe des États-Unis, tous les signes évoquent une inculpation imminente. En fait, je pense qu'il a peut-être été déjà inculpé et l'acte d'accusation est actuellement sous scellé. Si c'est vrai que le président Trump lui-même a prévu qu'il serait arrêté mardi, cet acte d'accusation a sûrement déjà été émis et est simplement sous scellé. Une telle arrestation ou même une inculpation serait une première pour un ancien président américain et pourrait compliquer sa course à l'investiture républicaine pour la présidentielle de 2024. L'édito politique sur Europe 1, comme tous les jours. Bonjour Vincent Hervouette. Bonjour Dimitri. Alors Donald Trump va-t-il être arrêté aujourd'hui comme il l'a annoncé ce week-end? L'Amérique est en ébullition, ses partisans se mobilisent, il se prépare à manifester dans la soirée. Oui, alors délaissons le Wall Street Journal ce matin et plongeons dans les tabloïds de ceux qui publient les souvenirs salaces des actrices porno, comme les confidences que Stormy Daniels a tenté de monnayer pour quelques milliers de dollars, le récit de la nuit la moins impressionnante de sa vie qu'elle aurait passée avec Donald Trump avant qu'il soit président. Elle l'appelle depuis « petite chose », ce qui n'est guère flatteur. Il la surnomme « face de jument » et prétend qu'il n'a jamais couché avec cette arnaqueuse. Voilà, on est entré de plein pied dans la vie politique américaine. C'est rugueux, c'est criard, sans pitié, rien à voir avec l'émotion de censure à la française. D'ailleurs, ici, c'est pas ici qu'un politicien ambitieux se laisserait piéger par une ancienne actrice porno, n'est-ce pas? Non, on est en Amérique, au temps de MeToo qui vous ruine une carrière, l'Amérique où l'avocat veille et facture, c'est Michael Cohen, le pitbull, où le procureur enquête, il s'appelle Alvin Bragg, c'est un afro-américain, un ami de Soros, un démocrate. Ce qu'il reproche à Donald Trump, ce n'est pas d'avoir trompé Melania qui venait d'accoucher, ni d'avoir ordonné à son pitbull d'acheter le silence de Stormy Daniels, ni même d'avoir remboursé l'avocat en faisant passer la facture en frais juridiques. Le mélange des comptes est un délit mineur. En revanche, s'il a été commis pour cacher un autre délit, ce délit devient un crime. Concrètement, si cet avare de Donald Trump a remboursé son avocat avec l'argent de sa campagne en violant les règles de financement du code électoral, eh bien, il est cuit. Alors, un grand jury a convoqué Donald Trump et donc il s'attend à être inculpé. On est en Amérique, le pays qui a envoyé Al Capone en prison pour fraude fiscale. Pour la première fois de son histoire, un ancien président risque d'être arrêté. Tout le monde l'imagine ce soir avec les menottes faisant la promenade de la honte sous le crépitement des photographes. Eh bien, ça n'aura pas lieu. Trump n'est pas DSK. C'est même le contraire. Vous voulez dire que le guet-apens judiciaire n'a aucune chance de le discréditer ? Mais au contraire, il relance sa campagne, le Donald peut se victimiser, ce n'est pas une mise à mort, c'est une mise en lumière. Le grand perturbateur du système peut mobiliser ses troupes, manifester, reprenez votre nation, a-t-il lancé samedi. Ses partisans ont beau jeu d'affirmer que l'État profond manipule la justice, que les démocrates ont monté contre lui
un dossier russe, vide, un autre ukrainien, un dossier fiscal, une accusation d'incitation à la violence, une autre d'argent caché, deux procédures de destitution et tout ça en vain. Donald Trump est ce matin dans l'arène face au picador Bragg, un autre enquête sur son implication dans les violences au Capitole, un troisième pour une tentative de fraude en Géorgie, un quatrième sur les documents top secrets retrouvés chez lui. L'an prochain, Donald Trump sera candidat, c'est le plus probable, et il apparaîtra nimbé de scandales, affaibli mais coriace. Cela peut plaire à l'électeur républicain, cela confortera aussi les démocrates dans leurs préjugés, et c'est aussi ce que doit espérer Joe Biden. C'est sa meilleure chance d'être réélu. Et ça, comme dirait Stormy Daniels, ce n'est pas une petite chose, c'est énorme. Merci, signature. La planète en feu, on a l'habitude de l'expression, mais c'est la réalité. Et d'ailleurs, tout à l'heure, Greenpeace a appelé à réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030, car la situation est encore plus grave qu'on ne le pensait, et cela fait bien sûr suite au rapport du GIEC qui a été publié aujourd'hui. Thierry Van Gulik. Ce n'est pas un simple rapport de plus, c'est tout simplement un guide pour la survie de l'humanité. Antonio Guterres, le secrétaire général des Nations Unies, n'a pas mâché ses mots. The rate of temperature rise in the last half century is the highest in 2000 years. Concentrations of carbon dioxide are at their highest in at least 2 million years. The climate time bomb is ticking. Jean-Pascal Van Ieperzeel, qui a participé aux travaux du GIEC, rentrait tout juste de Suisse, où se réunissaient les experts du climat. Il ne dit pas autre chose. Il est grand temps de se réveiller et d'en faire beaucoup plus par rapport à l'évolution de la situation. On a déjà gagné 1,1 degré au-dessus du niveau du début du XXe siècle. On voit les événements extrêmes qui se multiplient. On n'a pas assez réduit les émissions. Il faut faire beaucoup plus au niveau mondial si on veut protéger le climat. Rester au niveau de 1,5 degré de réchauffement du climat, c'est encore possible, affirme le GIEC. Mais il faudra une réduction des émissions de gaz à effet de serre de 43% d'ici 2030 et de 60% d'ici 2035. Et pour y parvenir, des mesures concrètes doivent être prises sans délai. Les mesures les plus prioritaires, c'est d'être beaucoup plus efficace avec la consommation d'énergie, de consommer des énergies qui sont les plus propres possibles, des énergies renouvelables, prolonger le nucléaire là où on peut, sans forcément construire de nouvelles centrales. Et ça, ce sont vraiment des priorités importantes. Et le WWF, réagissant immédiatement au rapport, souligne l'une des mesures phares, préserver 30 à 50% des mers et des terres pour sauver la nature, notre meilleur outil de lutte contre le réchauffement. On l'a vu au cours de ces 10 dernières années, la nature elle seule a absorbé 54% des émissions de gaz à effet de serre d'origine humaine. C'est énorme, cependant la nature n'est pas capable de tout faire. Il faut aussi réduire drastiquement les émissions. Et Jean-Pascal Van Ieperzeel de conclure, l'argent est là, les solutions sont connues, il n'y a que le temps qui manque. Nous sommes enfin en Inde avec vous comme Bastin, un nom ce matin à la une de la presse indienne. Amritpal Singh, c'est le nom que tous les médias répètent depuis qu'a commencé sa traque par le gouvernement indien ce week-end. À la fois influenceur digital et révolutionnaire, cet homme de 30 ans a pris la tête du mouvement Khalistan. Il réclame un état séparé pour les membres de la religion sikh, concentré dans l'état du Punjab en Inde, explique The Indian Express. Déjà dans le radar des services de sécurité, il est devenu ennemi public depuis qu'il a attaqué une station de police dans la ville d'Amritsar, raconte NDTV. Il est suspecté d'avoir amassé des armes pour monter une armée et de liens avec le Pakistan. Le mouvement indépendantiste du Khalistan bénéficie de la sympathie de certains fidèles sikhs à travers le Commonwealth. The Hindu rapporte ainsi que le consulat indien à San Francisco a été attaqué en soutien aux fugitifs. Merci. Direction maintenant le Brésil avec vous Jean-Claude Gérez. De quoi parle la presse brésilienne ce mardi ? Du premier versement de la nouvelle bourse famille qui va permettre à plus de 20 millions de familles de recevoir une allocation minimale de 110 euros par mois. Le site Géon indique que cette mesure phare du président Lula est destinée aux familles les plus pauvres ayant moins de 40 euros par personne et par mois pour vivre. L'allocation, précise le journal Atard, y sera augmentée en fonction du nombre et de l'âge des enfants et même attribuée aux femmes enceintes. Mais comme le souligne la Folia di São Paulo, les conditions d'accès à ce programme seront plus rigoureuses, outre le plafond des revenus
bienvenue. La scolarisation des enfants et la vaccination seront obligatoires, ainsi que des examens prénataux pour les futures mamans. Le tout, souligne le journal Valor, pour un coût annuel de 30 milliards d'euros pour l'État brésilien. Souriant et visiblement ému dans les bras d'une de ses consœurs. Ce sont les premières images du journaliste français libéré 2 ans après son enlèvement au Mali par des djihadistes liés à Al-Qaïda. À ses côtés, un autre otage libéré après 7 ans de captivité, le travailleur humanitaire américain Jeffrey Woodk. Les deux hommes sont arrivés ce lundi à Niamey, au Niger. Alors c'est un peu impressionnant tous ces micros, c'est moins de vibrant d'habitude. Non, juste pour dire qu'évidemment c'est énorme pour moi d'être là, d'être libre. Je ne m'y attendais pas du tout. Je voulais rendre hommage au Niger et à son savoir-faire en ce type de mission délicate. Et rendre hommage à la France aussi et à tous ceux qui m'ont permis d'être là aujourd'hui. Les deux ex-otages ont été récupérés sains et saufs par les autorités nigériennes avant d'être remis aux autorités françaises et américaines. Washington et Paris ont fait part de leur soulagement après la libération de leur... Alors parlons de votre livre passionnant d'ailleurs, le Sahel, l'histoire du Sahel, des origines à nos jours. Alors ce Sahel, d'abord, qu'est-ce que c'est, Bernard Lugan-Ognes ? Le Sahel, c'est un tampon. C'est une zone tampon entre le désert au nord et les savanes au sud. Une zone tampon qui part du Sénégal et qui arrive jusqu'à la mer Rouge. Une zone tampon dont la superficie varie en fonction des changements du climat. Parce que le climat passe son temps. Le propre du climat, c'est de changer, n'est-ce pas? Et alors, en fonction... Varie vraiment beaucoup en fonction du climat? Beaucoup, parce que quand nous sommes en période de pluie, le Sahel remonte vers le nord et gagne sur le désert. Et quand nous sommes en période de sécheresse, en cycle de sécheresse, alors actuel, le cycle actuel de sécheresse a commencé il y a 3500 ans, avec des hauts et des bas. Et des bas. Oui, bien sûr. Et alors quand le Sahel, quand le désert du Sahara s'étend, le Sahel descend vers le sud et grignote vers les savanes, va vers le fleuve. Alors ce qui est intéressant, c'est que toute l'histoire du Sahel va être celle de ses peuples, parce que il y a des peuples qui vont être ballottés par ces allers-retours du climat. Alors au nord, nous avons des peuples qui sont nomades et éleveurs, et au sud, nous avons des peuples qui sont agriculteurs et sédentaires. Et toute l'histoire du Sahel va être le long de cette zone tampon, les Anglais diraient un rift. Long de ce rift géographique va s'établir un rift racial. Et toute l'histoire du Sahel... Ethnique et racial. Absolument. Oui. Racial, plus qu'ethnique. Racial, parce que au nord, vous avez les berbères blancs, Touareg, et au sud, vous avez les populations noires. Là, c'est racial, c'est le plus ethnique. C'est ça. Le problème ethnique se pose à l'intérieur des mêmes groupes raciaux. Oui, bien sûr. Les peuples nomades au nord, les peuples sédentaires au sud. Au sud. Et toute l'histoire de cette bande sahélienne va être celle de la confrontation, de la cohabitation, de la coexistence entre ces grands ensembles. Deux modes de civilisation totalement différents. L'un qui va intégrer la notion de minorité, car les peuples du Nord vont aligner leur croix humain sur les possibilités de nourriture du bétail, sachant que s'il y a trop de bétail sur un pâturage réduit, le bétail va mourir. Or, comme eux se nourrissent de lait et de sang, ils vont mourir aussi. Donc ils alignent leur croix humain sur les possibilités de nourriture du bétail. Donc, ils intègrent, dans leur longue durée historique, la notion de minorité. Et comment... On accepte les minorités. Eux sont minoritaires. Ah, c'est ça. Et comment, eux, minoritaires, vont-ils pouvoir s'imposer aux populations majoritaires du Sud? Oui. Par la guerre, par le prestige, etc. Oui, mais je vous ai expliqué tout à l'heure que parmi les peuples du Nord, l'on a toujours pratiqué le contrôle des naissances, pas les peuples du Sud. Ce qui fait qu'on se retrouve avec une situation, les nordistes, par exemple, au Mali, les Touaregs sont 5%. Ils perdront toujours les élections face aux 95%, même s'ils sont diviés. C'est ce que j'appelle l'ethno-mathématique électorale. Et ça, vous l'avez tout le long. Résultat, dès l'indépendance, commencent les guerres du Sahel. La première guerre Touareg éclate en 1963. La première guerre des Toubous au Tchad éclate fin 64, début 65. Et depuis, nous avons en permanence ces conflits qui sont permanents, qui sont résurgents. Et chaque fois... Nous proposons chaque fois, pour résoudre ces conflits, ce qui a provoqué le conflit, c'est-à-dire la démocratie. Ce qui fait que chaque élection conforte le pouvoir des sudistes, qui nous disent, mais écoutez, vous, les Blancs, vous êtes extraordinaires. Chez vous, en France, par exemple, vous avez quelqu'un qui va faire 42% des élections, des voix au deuxième tour, mais elle n'a aucun poste de ministre. Il n'y a pas de partage de pouvoir. Comment voulez-vous que nous,
qui faisons 95% ou 92%, vous voulez qu'on partage, partagions le pouvoir. Ben alors, il y a donc une démocratie pour les Blancs et une démocratie pour les Noirs, mais c'est du racisme, votre affaire. Donc, nous sommes pris au propre piège de notre philosophie, notre idéologie démocratique. Alors souvent, les Occidentaux pointent du doigt justement la présence, sur le continent des groupes paramilitaires russes. Que dire de cette utilisation de ces groupes actuellement sur le continent ? Quel est votre point de vue, Jacques Sapir ? Tout d'abord, il faut dire une chose, c'est que la Russie n'est pas la première à pratiquer cela. Il y avait des groupes paramilitaires, certes moins voyants, certes moins développés, qui appartenaient ou qui dépendaient de nombreuses sociétés, qu'elles soient françaises, britanniques, canadiennes, qui opéraient en Afrique. Donc, malheureusement, ce n'est pas une nouveauté. Oui. Après, il est clair que un certain nombre de pays africains sont confrontés à des problèmes de sécurité et des problèmes qui sont tout à fait réels. Par rapport à cela, le fait d'utiliser une compagnie militaire privée, le groupe Wagner, pour l'appeler par son nom. Le fait d'utiliser cette compagnie militaire privée permet à la Russie, d'une certaine manière, de s'engager sans s'engager politiquement. Et ça, c'est un point important. Oui. Après, il faudra voir est-ce que les troupes ou les petites unités de ce groupe Wagner seront efficaces en aidant les armées de certains pays africains à se reconstituer, à se moderniser. Ça reste à voir parce que c'est quelque chose qui va se jouer dans la durée. Mais il est clair qu'aujourd'hui, effectivement, la Russie s'appuie beaucoup sur ce groupe paramilitaire privé. En Afrique, à travers les rencontres périodiques qui s'organisent entre les pays africains et la Chine, l'occasion est donnée donc aux pays africains donc de tirer le maximum donc de leur coopération avec la Chine à travers les ententes conclues à l'occasion de ces rencontres-là dans tous les domaines pour faire en sorte que, fort de l'expérience de la Chine en matière de développement et surtout fort de la disponibilité de ce pays-là à les accompagner parce qu'ils ont, un destin commun, eh bien, les pays africains puissent en tirer profit pour que ce grand bond en avant que la Chine a connu, j'ai bon espoir et je souhaite que ces mêmes pays-là africains connaissent ce même bond en avant. Je voudrais saisir l'occasion pour féliciter les partenaires chinois de CGTN pour vraiment l'initiative de faire en sorte que la voix de la Chine soit écoutée au quotidien. Et je crois que avec China Global Television Network, le rapprochement va se faire davantage à travers les relais que nous aurons justement de ce qui se passe en Chine, de la coopération entre la Chine et les pays africains. Et je suis très heureux pour Gulf d'avoir été choisi comme partenaire pour faire ce relais-là et content pour le Bénin, pays qui abrite Gulf, d'avoir été choisi pour faire ceci. Je lui souhaite bonne chance. Et je dis encore une fois, merci à nos partenaires chinois. Si, à quel moment la politique russe s'est tournée réellement vers le continent africain ? Bien, la Russie est revenue en Afrique parce que, évidemment, l'Union soviétique avait été très présente en Afrique. Mais la Russie est revenue en Afrique au début des années 2000 et essentiellement au départ au travers de sociétés privées, essentiellement minières, qui sont revenus donc sur le terrain africain. De nombreux intellectuels africains considéraient que le régime de Vladimir Poutine, ayant réussi à sortir la Russie de la catastrophe économique dans laquelle elle était dans les années 90, et en particulier au moment de la crise financière de 1998, eh bien que ce régime pouvait être porteur d'expérience, ou en tous les cas pouvait être d'une certaine manière
répliquée dans un certain nombre de pays africains. Et c'est aussi cela qui a donné, je dirais, tout son poids à la présence russe en Afrique. On peut comprendre que la Russie mise, si vous voulez, sur le soutien des Africains actuellement. Oui, certainement. Certainement. Mm-hmm. Et d'ailleurs, cela se voit, même si un certain nombre de pays africains ont voté la résolution de l'ONU qui condamnait l'agression russe en Ukraine, aucun pays africain, à ma connaissance, n'applique les sanctions. Certains pays se sont par ailleurs abstenus sur cette résolution, et certains pays en plus, en particulier l'Afrique du Sud, mais pas seulement d'ailleurs, ça va nettement au-delà de l'Afrique du Sud, entretiennent d'excellentes relations commerciales avec la Russie. Oui. 7 milliards d'euros pour aider les victimes des récents tremblements de terre en Turquie et en Syrie, c'est la grande promesse faite par la communauté internationale à Bruxelles lundi. Le défi consiste maintenant à s'assurer que les donateurs respectent leurs engagements et que l'argent et les ressources parviennent à ceux qui en ont le plus besoin. We have to start with the most basic thing. Can we actually bring back some hope? Because remember, there is 600,000 housing units that have been destroyed, 900 schools just in Turkey. These are the figures. People have lost their livelihoods literally within seconds, and many people are still internally displaced, living in tents, living with relatives in container villages. Les tremblements de terre du 6 février ont été la pire catastrophe naturelle à frapper la région dans l'histoire récente. Plus de 56 000 personnes sont mortes. En outre, des inondations torrentielles ont récemment privé de nombreuses personnes de leur logement temporaire. La Commission européenne a mis 1 milliard d'euros sur la table et s'est déclarée convaincue que l'argent serait mobilisé rapidement pour parvenir aux mains des victimes. I'm also very happy that this is not just academic support. This is real support that will be delivered quick on the ground, that will build back schools, hospitals, that will build back infrastructure, and this should bring back jobs and growth to the region. Les relations entre l'Union européenne et Ankara sont tendues depuis des années. Plus récemment, la Turquie a empêché la Suède d'adhérer à l'OTAN. Mais aujourd'hui, c'est la diplomatie qui prévaut. Well, you know, trouble brings the people together. So I think if this earthquake has any positive element, if that is the improvement of our relationship, it's only the better. L'Union européenne organisera une conférence de suivi pour soutenir la Syrie en juin prochain. Ben en effet, déjà, tout le monde sait maintenant que la Commission européenne a passé une commande pour 24,6 milliards de doses en 2020. Donc ça, c'était le premier constat fait par la Cour des comptes pour 71 milliards d'euros. Donc il y a 4,6 milliards de doses qui ont été commandées. Et on se rend compte sur le site de l'ECDC, qui est donc une agence européenne, qui tous les jours réactualise ses statistiques, nous indique qu'il y a à peu près 1,4 milliard de doses qui ont été livrées actuellement pour un peu moins d'un milliard de doses injectées au sein de l'Union européenne. Donc la question, c'est où sont ces 3 milliards de doses ? Et donc du coup, on a posé cette question, j'ai posé cette question à la Commission européenne pour qu'elle nous fasse aujourd'hui le détail de savoir où sont ces doses. Parce que c'est encore une fois de l'argent des contribuables européens, hein, puisque la Cour des comptes signale qu'il y a à peu près 71 milliards de contrats donc auprès de ces laboratoires, 71 milliards d'euros. Donc, quid de cet argent ? Où va notre argent ? Donc, cette question, je l'ai posée la semaine dernière au sein de la Commission européenne en demandant le détail de cette diffusion de ces doses au sein de l'Union européenne. Et si elle considère qu'il faut continuer à les diffuser au monde entier, là aussi, on souhaite avoir des chiffres. Les marchés boursiers européens ont digéré positivement l'accord sur les banques suisses. Après avoir effacé leurs pertes initiales, les actions bancaires européennes sont redevenues positives. Les responsables politiques européens ont également salué le rachat d'urgence du géant bancaire en difficulté, Crédit Suisse, par son homologue suisse UBS, comme une étape décisive pour soutenir le système financier et rassurer les marchés.
Lors d'une audition au Parlement européen à Bruxelles, la présidente de la Banque centrale européenne, Christine Lagarde, a salué les dernières décisions prises par les autorités suisses, estimant qu'elles contribuaient à rétablir des conditions de marché ordonnées. Thank you very much. We are monitoring market developments closely and stand ready to respond as necessary to preserve price stability and financial stability in the euro area. The euro area banking sector is resilient with strong capital and liquidity positions. Dans une offre coordonnée antérieure, la Banque centrale européenne et cinq autres banques centrales occidentales ont également annoncé qu'elles maintiendraient les liquidités disponibles dans le système financier mondial. Cette décision fait suite à celle de la Banque centrale européenne de relever ses taux de 0,5 points. Une hausse importante qui a surpris certains observateurs, mais qui a été jugée appropriée par Christine Lagarde. Die Situation ist nicht vergleichbar mit den Jahren 2008-2009. Gesetzgeber und Bankenaufsicht in Europa haben aus der weltweiten Finanzkrise des Jahres 2008 gelernt und die Bankenregulierung erheblich verschärft. Le Crédit Suisse est la dernière victime d'une crise de confiance qui a déjà entraîné la faillite de deux banques américaines de taille moyenne. Le deuxième plus grand prêteur de Suisse était considéré comme l'une des 30 banques les plus importantes au monde, ce qui explique pourquoi les autorités suisses ont précipité. Une arrivée très attendue dans le port de Piombino en Italie ce dimanche. Un nouveau terminal de stockage de GNL doit être mis en route d'ici quelques semaines dans cette petite ville de la côte toscane et alimenter en gaz tout le nord du pays. Mais les habitants voient d'un mauvais œil cette installation. La nostra richiesta è di mettere la nave in un posto che sia sicuro per la gente, per la popolazione e non che non danneggi l'ambiente, come del resto è stato fatto anche a Livorno. Cioè a Livorno la nave l'hanno messa a più di 20 km dal porto, in una zona che è abbastanza sicura. Mondo. Questa nave è pericolosa. Oltre ad essere vicina alle abitazioni, consideriamo che a Livorno è stata ormeggiata a 22 km e nelle 3.000 circostanti c'è l'interdizione. Qui invece l'interdizione l'hanno messa a 150 metri. Quindi significa che abbiamo popolazione di serie A e popolazione di serie B. L'Italie mise sur ses terminaux GNL pour diversifier son approvisionnement énergétique et mettre un terme à sa dépendance au gaz russe. Près de 40% du gaz importé dans le pays provenait de Moscou avant le début de la guerre en Ukraine. D'abord en Italie ce matin. Bonjour Antonino Gallofaro. Bonjour. À la une de la presse italienne, un défi à la Indiana Jones qui pourrait bien rapporter gros. Le Vesuvius Challenge, déchiffrer des parchemins carbonisés par l'éruption du Vésuve il y a près de 2 millénaires et gagner 250 000 dollars. Condition, précise le journal local Il Mattino, il faut utiliser l'intelligence artificielle pour encourager les experts de cette technologie à lire des centaines de documents. Le challenge, lancé par des professeurs de l'université américaine du Kentucky, est un défi entre scientifiques, précise le magazine Focus, pour qui le grand gagnant sera en réalité l'humanité entière. Ces parchemins antiques d'Herculanum, une cité antique au pied du volcan, gardent de nombreux secrets. Des scientifiques italiens en ont déjà révélé un. Il Corriere della Sera évoque un scoop millénaire. Platon avait été réduit en esclavage par un tyran de Syracuse avant d'être racheté et libéré par un ancien élève. Derrière moi, la table des votes, où il y avait l'urne qui vient d'être enlevée. Sur cette table de vote et dans cette urne, il y avait 278 voix pour la censure, ce qui est considérable. Il en a manqué seulement 9 pour démissionner le gouvernement, le censurer, le forcer à partir, désavouer Emmanuel Macron. 9 traîtres de plus, 9 députés LR qui n'ont pas osé franchir le pas, qui ont servi de béquille au gouvernement, qui se déshonore. Reconnaissons quand même qu'il y a eu plus de députés LR que prévu, une quinzaine, une vingtaine, je ne sais pas, qui ont voté la censure, mais cela ne suffira pas. C'est un véritable gâchis, une immense déception pour les Français qui comptaient sur les députés. 278 députés courageux de tous bords politiques, mais il en manquait 9. Emmanuel Macron et son gouvernement auront réussi à acheter, de fait, les députés LR qui se sont abstenus,
certains députés comme Madame Ménard qui n'ont pas voulu aller voter et quelques autres. Je pense à cette phrase du général de Gaulle sur « Dans la vie, le choix entre la soupe et le combat ». D'un côté, 278 combattants au service des Français, de l'autre, ceux qui ont été à la soupe. Alors on peut le comprendre pour ceux de la majorité, mais pour ceux des Républicains qui se sont fait élire sur l'opposition, pour les dirigeants républicains, mais quelle honte! Alors maintenant, que faire? Il y a deux solutions, la rue ou le référendum. Le référendum, il y a une procédure lancée, il y a plus de 185 députés. J'avais initié le processus, il y a eu une autre demande qui a été faite par plus de 185 députés, c'est très bien. Cela veut dire que si nous récoltons 4 500 000 signatures, eh bien Emmanuel Macron sera forcé d'organiser un référendum. Alors vous me direz 4 500 000 signatures, on n'y arrivera jamais. C'est pas sûr. Si toutes les forces politiques s'y mettent, on peut avoir les 4 500 000 signatures. Et puis, il y a aussi la rue pacifique, parce que je n'appellerai jamais à la violence, vous le savez. Mais je pense que Emmanuel Macron va faire face à une opposition profonde, sourde, forte des Français. Je pense que maintenant, l'enjeu, c'est se battre pour ce référendum. L'enjeu, c'est de montrer partout et toujours que le peuple français ne lâche rien. En tout cas, moi, je ne lâcherai rien. Et vous pouvez me faire confiance. Aidez-nous. Aidez-nous. Nous devons imprimer des millions de tracts. Nous devons développer ce référendum d'initiative partagée. Il faut 4 500 000 signatures. C'est possible. Voilà. Maintenant, bonne soirée. Ce fut une journée bien longue. N'hésitez pas. À bientôt. Majorité présidentielle, enfin majorité, un peu moins en ce moment à l'Assemblée nationale, et elle est sur BFM TV face à Jordan Bardella, le président du Rassemblement national. Et elle l'invective parce qu'elle dit que Jordan Bardella n'a pas, lui, assez parlé. Écoutez. Justement, monsieur Bardella, mais monsieur Bardella, les Français ne sont pas dupes et nous sommes bien conscients des difficultés qui sont ceux de nos concitoyens. Ah oui. Mais on doit faire preuve de responsabilité et de courage. Je veux dire, alors, il y a une motion de courage. Ce même courage, monsieur Bardella, que vous n'avez pas en proposant. Votre mutisme était assourdissant. Avouez, monsieur Bardella, que votre mutisme était assourdissant au sein de l'hémicycle de l'Assemblée nationale. Je suis député au Parlement européen, donc c'est sûr que vous m'avez pas beaucoup entendu à l'Assemblée nationale. Quelles ont été vos propositions au sein de l'hémicycle quand il s'agissait de débattre autour de cette réforme? Alors ça, c'est magnifique. D'abord, une petite rectificatif, ce n'était pas à BFM TV, c'était sur le plateau, sur C8, sur le plateau de Touche pas à mon poste de Cyril Hanouna. Alors, c'est extraordinaire quand même. Donc, Shannon Seban n'est pas députée, elle est présidente de la section du parti de Seine-Saint-Denis, du parti d'Emmanuel Macron, et elle dit à Jean Dornella, vous avez entendu quand même, hein, on n'a rien à... Il dit, oui, monsieur Bardella, vous ne parlez pas, pourquoi à l'hémicycle de l'Assemblée nationale, on vous entend pas? Et Bardella dit, je suis député au Parlement européen, hein, je suis pas au Palais Bourbon, moi je suis plutôt à Bruxelles ou à Strasbourg. Oui, mais vous ne parlez pas, vous êtes muet, c'est formidable. À ce niveau, ça devient très intéressant. Voilà quelqu'un qui est quand même responsable politique, responsable d'un parti. Elle est dans ses éléments de langage qu'on a dû lui livrer avant qu'elle ne passe sur le plateau. Et elle y va. Allez, pourquoi vous n'êtes pas dans l'hémicycle? Pourquoi vous ne parlez pas dans l'hémicycle? C'est magnifique. Vous voyez, à ce niveau, quand même, que devient la politique? Que devient la politique? C'est formidable. Ça devient, comme disait un humoriste allemand, un couteau sans lame auquel il manque le manche. Illustration, vous venez de la voir. Bienvenue sur Europe 1 et bonjour Marine Le Pen. Bonjour. Après le rejet des motions de censure à 9 fois près hier, le président Emmanuel Macron va donc s'exprimer demain à 13h lors d'une interview. De votre point de vue, après désormais l'adoption de la réforme des retraites, quelle réponse de sa part pourrait apporter de l'apaisement au pays ? L'annonce d'un référendum, c'est-à-dire de la suspension de la réforme et de la demande de validation par le peuple français, la dissolution de l'Assemblée nationale pour une fois de plus revenir au peuple, ou la suppression pure et simple de la mise en œuvre de cette réforme des retraites. Je pense que ce sont les trois seules options qui pourraient apporter le calme. Vous n'y croyez pas tellement? On suppose qu'Emmanuel Macron va certainement s'expliquer, plutôt rappeler qu'il y a eu quand même un vote hier sur la réforme des retraites. Est-ce que vous pouvez dire ce matin que le processus parlementaire est terminé? Non.
D'abord, le processus n'est pas terminé parce que nous saisissons, nous, ce matin, le Conseil constitutionnel, car il y a, à notre avis, de graves violations de la Constitution dans le véhicule, notamment législatif, qui a été utilisé par le gouvernement. Donc, le combat n'est pas terminé, mais je suis absolument convaincu que le président de la République viendra demain expliquer qu'il a raison, que ce sont les autres qui ont tort, et que si cette réforme n'a pas été votée par l'Assemblée, c'est de la faute de tout le monde, sauf de lui. Tout le processus n'est pas terminé, mais le processus parlementaire en tant que tel, oui. Oui, c'est vrai. Le processus parlementaire est terminé dans des conditions qui sont vraiment extrêmement critiquables, puisque je rappelle que sur une réforme aussi importante que celle-là, l'Assemblée nationale n'a pas pu voter sur ce texte. De la double responsabilité, pardon, du gouvernement et de la France insoumise. Parce que le gouvernement a utilisé un véhicule législatif qui contraignait considérablement le temps du débat, mais la France insoumise, par l'obstruction qu'elle a mise en œuvre, a tout fait pour nous interdire d'arriver ne serait-ce qu'à l'article 7, qui était l'article fondamental de cette réforme, puisque c'est celui qui repoussait de 2 ans l'âge de départ. Vous comptez donc sur le Conseil constitutionnel. On note, Marine Le Pen, que la Première ministre, Elisabeth Borne, a aussi choisi elle-même de saisir les sages. Est-ce que ça veut dire qu'ils ne sont pas trop inquiets, finalement, sur la suite et une éventuelle invalidation du texte ou partie du texte ? Oui, ou alors c'est autre chose. C'est-à-dire ? Ces choses-là nous dépassent, feignons d'en être les organisateurs, peut-être. Ce qui est sûr, c'est que le gouvernement sort terriblement fragilisé de cette séquence, car la motion de censure n'a pas été votée, certes, mais à 9 voix près, ce qui est beaucoup moins que ce qui avait été prévu par les journalistes, par les politiques, par les différents analystes. Donc, ils ont une mauvaise vision de ce qui se passe dans le pays, ça nous le savions, une très mauvaise vision de ce que veulent les Français, mais aussi une mauvaise vision de leur propre troupe. Je rappelle que le 49-3 est décidé 20 minutes avant le vote de la réforme, parce qu'ils se rendent compte qu'ils n'ont pas la majorité et que ce texte va être rejeté par l'Assemblée nationale. Donc nous voilà dans une situation où l'intégralité des syndicats sont contre cette réforme. Le 3/4 des Français y sont opposés, mais où aussi l'Assemblée nationale est opposée à cette réforme. Mais au final, qui a gagné hier ? C'est pour ça que ce coup de force, si vous voulez, est insupportable pour les Français et ressenti comme une gifle. Mais au final, tout compte fait, comme chaque matin à cette heure-ci avec Éric Revel. Bonjour Éric. Patrick, bonjour, bonjour à tous. Quels sont les recours des oppositions à cette réforme des retraites, avec le rejet donc de justesse de la motion de censure? Oui, il faut se projeter, hein, c'est le jour d'après, comme vous le disiez tout à l'heure. Ce vote ric-rac de la motion de confiance à l'Assemblée nationale ouvre pour les oppositions plusieurs voies de recours possible. Alors c'est un peu technique, mais on va essayer de les voir toutes, tous ces recours. Le premier recours, devant le Conseil constitutionnel, pour vérifier la validité de cette loi. La présidente de l'Assemblée nationale a d'ailleurs transmis une demande en ce sens de la part de l'opposition de gauche au Conseil constitutionnel. À noter aussi que la première ministre Elisabeth Borne va saisir aussi directement le Conseil constitutionnel pour examen du texte. Deuxième possibilité, un référendum d'initiative partagé. Alors, il doit être argumenté, bien sûr, et obtenir 10%, hein, pour être tenu, 10% du corps électoral, c'est-à-dire l'approbation de pas loin de 5 millions d'électeurs français. Et tout cela en 9 mois maximum. 250 députés et sénateurs ont signé une proposition de loi en faveur de ce fameux RIP, le référendum d'initiative partagée. Et puis, troisième recours aussi, pourquoi pas, on peut imaginer, comme pour le contrat de première embauche sous Dominique de Villepin, Premier ministre, un retrait du texte par le président de la République devant la contestation populaire dans la rue, vous en avez parlé. C'est ce que Jacques Chirac avait fait, hein, donc pour le fameux CPE ou pour le plan Juppé. Bon, Emmanuel Macron peut-il agir ainsi, lui qui a fait de cette réforme des retraites sa réforme centrale? C'est peu probable. Emmanuel Macron, vous l'avez aussi dit, s'exprimera demain à 13h. Oui, c'est ça. Alors voyons aussi les arguments pour les recours. Le recours devant le Conseil constitutionnel, par Alors, exemple. Alors, devant le Conseil constitutionnel, les oppositions parlementaires peuvent faire valoir, par exemple, que l'index senior, voire le CDI senior, qui n'est qu'un simple test, eh bien que ces deux mesures ne seraient pas conformes à notre Constitution. Autre argument, peut-être beaucoup plus fondé. Le fait que le gouvernement ait voulu faire
passer, voter cette loi réformant les retraites. Alors c'est un peu technique, mais dans une loi rectificative budgétaire, en l'occurrence une loi rectificative de la sécurité sociale, ce serait anticonstitutionnel. En tout cas, ce sera aux neuf sages du Conseil de trancher, mais cela prendra du temps. Pour le référendum, ben, la procédure est longue aussi, puisque le Parlement aura, lui, 6 mois pour examiner le texte, si les 5 millions de signatures sont collectées. Et puis, évidemment, la logistique de mise en place de tout cela n'est pas simple, mais c'est aussi une possibilité peut-être la plus solide. Oui, c'est ça. Et puis, si la loi entre en vigueur, ce sera quand ? En septembre, c'est ça ? Et qu'est-ce qui se passera pour ceux qui sont concernés ? Oui, la réforme votée donc par 49-3 s'appliquerait dès septembre pour ceux nés en 1961, au second semestre, hein, à partir du second semestre. Ils devront donc, ceux nés en 1961, travailler 3 mois de plus, le départ à 64 ans, rappelons-le, n'étant effectif qu'en 2030, hein, c'est-à-dire pour ceux nés entre 1968 et 1972. En attendant, bah, 3 millions de personnes seront potentiellement concernées dès septembre, parfois pour les métiers les plus pénibles et pour les carrières. Oui, bonjour à tous. J'aimerais aujourd'hui vous demander de liker, de partager et également de commenter toutes les vidéos.